J'ai été surpris parce que je n'ai traité de ce problème avec personne. Et ce qu'il faut dire, c'est que à mon âge, on ne va pas à une formation politique sans analyse. J'ai été FCBE par le canal de mon parti, dont je suis fondateur, je suis membre fondateur, UPD Gamessou, du président de l'Assemblée, Nago Mathurin. Et naturellement, c'est avec mon parti que je suis membre de l'UPD Gamessou. Et si je devais quitter FCBE, c'est clair que ma démission doit commencer d'abord par mon parti, UPD Gamessou. Et c'est après ça que je verrai ce que je vais faire. Je ne suis pas encore membre d'autres partis. Je ne suis que de l'UPD Gamessou, dont le président est la deuxième personnalité de ce pays. Et nous sommes dans FCBE et nous y sommes jusqu'à l'heure où nous parlons. Je ne vois pas d'où est venue cette nouvelle. Mais en impliquant mon fils, je crois que les gens ont extrapolé. Parce que mon fils était en stage, il est revenu et il n'a plus l'habitude d'aller au village. Il est parti le samedi passé au village, il y a 4 jours donc, et il est revenu en même temps. Mais lorsqu'il a rencontré les amis, les gens lui ont précipitamment posé la question de savoir pourquoi on ne le voyait pas alors que son père est le secrétaire général des FCBE. Et c'est là où il va leur dire qu'il était en formation et lorsqu'il est venu, il n'a pas encore eu, il ne s'est pas libéré encore de ses nouvelles tâches pour être si fréquent au village. Mais en tout état de cause, il observe, il n'a pas cet enthousiasme qu'il faut parce que il regarde d'abord comment son père est traité. Et c'est par rapport à ça que lui, il va être enthousiasmé. Parce que c'est lui qui vit, évidemment. Et ce que je suis et je fais aujourd'hui, c'est en ces termes-là. Et évidemment, comme ça arrange certains qui veulent faire nombre, ils se sont précipités pour écrire n'importe quoi dans les journaux. Et ce n'est pas du tout fondé. Je suis UPD. Et UPD est dans FCBE et incontestablement.